Vous regardez RTL. Ça date quand même de 999. Le solitaire. On est avant l'an 1000. C'est un cache-cache. Non. Monsieur cache-cache. Colin Maillard. Mais non, Colin Maillard. Colin Maillard, j'ai trouvé. C'est Colin Maillard. Bonne réponse de Titoff et Caroline Diamant. Il y a deux Colin Maillard. Hein. Il y a Colin Maillard avec chauffe, froid et tout ça. Et Colin Maillard, on dit rien. Oui. C'est un Colin Maillard. Oui, bah n'en profite pas. Tu fais Caroline. On sent Colin Maillard qui a tourné en partout. Stevie, par là. Stevie, elle a une tuche, il dit Caroline. Moi je dis Stevie, elle a quelqu'un qui fait chaud, alors chaud. On sent qu'il s'est bien amusé avec ce jeu. On a tous joué à Colin Maillard. On sent que Pierre, il a de bons souvenirs, par contre. Ouais. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'habits dans ce Colin Maillard. Il y avait surtout le seul tissu, il était sur les yeux, j'ai l'impression. Vous pouvez nous raconter, monsieur Bénichou? Non, c'était avec mes parents. De toute façon, on voit. Ça, c'est bien des conneries aussi, ces histoires de bandeaux qu'on met sur les yeux. Quand même, tout le monde a toujours vu à travers le bandeau qu'on met sur les yeux. Ça, c'est une vieille. Écoutez, pas si c'est bien fait. Ah oui? Bah oui. C'est pour ça qu'au moins à l'époque, vous voyez, il ne tergiversait pas. Il crevait les yeux. Là, c'était vraiment le jeu. Mais oui. C'est le vrai Parce que c'est comme Mire Mirotka. Moi, quand je suis arrivé à Paris, c'était la grande vogue de Mire Mirotka. Vous êtes en communication avec moi? Quel est le numéro du billet qui est dans le portefeuille du monsieur? Et il y avait porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt, j'arrive et je vois un petit truc comme ça. Et c'était deux Algériens. On est d'accord, c'est le mec qui nous disait qu'on avait des anecdotes de 1930. Madame Mirotka, vous êtes en communication avec moi? On dit oui, allô, dis non. Vous êtes en communication? Quelle est la couleur du chapeau manouche du monsieur? Manouche, ça veut dire il n'y a pas. Alors il dit, comment vous y répétez votre question? Réitérez votre interrogation, s'il vous plaît. Quelle est la couleur du chapeau manouche du monsieur? Il dit, je ne saurais répondre car il n'en porte point. C'est une sacrée anecdote. On ne reviendrait pas en 2018. Alors, je suis d'accord.